Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, j'ai un méga challenge pour Younes et Myriam. Pendant 24 heures, Younes et Myriam, je vais vous confisquer votre argent. Vous n'avez pas le droit de dépenser 1 euro. Vous allez devoir vous débrouiller pour manger. Vous allez devoir manger avec 0 euro. Vous pouvez vous servir de YouTube en disant que vous êtes YouTubeur pour faire des partenariats. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ou vous pouvez ne pas manger du tout, c'est à vous de vous démerder. Est-ce que vous acceptez le défi? Bah oui, on accepte, frère. Et comment on va pas accepter? On est capable. Oui, c'est trop bien. Je suis vraiment impatient de voir s'ils vont se débrouiller ou pas, s'ils vont réussir à réaliser le défi. Franchement, c'est grave chaud, c'est un défi hard. 1 hour later. Je sais pas. C'est quoi votre plan? On va pas manger aujourd'hui. C'est quoi votre plan alors? On va pas manger, je sais pas. Tu me dis, on a pas d'argent ou on a pas droit de gaspiller de l'argent. Je sais pas comment faire moi. Elle a pas d'argent. Eh, je vais être gentil avec vous. Pour un seul repas, je vous autorise à demander la charité autour de vous. Vous n'avez pas le droit de demander à des inconnus. Pour pas te déranger, mais autour de vous, genre à votre famille ou quoi, vous avez le droit de demander de la charité. En gros, demander de l'argent. Tu demandes à papa, je demande à maman. Mais que pour un repas, c'est tout. Après, vous vous démerdez, j'en ai rien à foutre. C'est pour midi et soir, j'ai trouvé. Moi, je demande à maman et toi, tu demandes à papa. Ok, vas-y. Tu leur expliques hein, ce que Yasmine a fait. Hey, maman, en fait, Yasmine nous a dit qu'on a un défi. C'est qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'argent. T'as pas un peu de monnaie à nous dépanner? Il y a 2 euros sur la table. Oh. Vas-y, prends-les. Prends-les. C'est bon? Gardez. Ouais, carré. Papa, est-ce que tu aurais 50-60 centimes? Non, j'ai pas de monnaie sur moi. Ok. On a réussi à avoir 2 euros. Oui, c'est moi, j'ai surtout réussi. Toi, t'as même pas réussi à avoir 50 centimes ou 1 centime. Bah, j'ai demandé 50 centimes, il a pas, c'est pas de ma faute. Je crois qu'on va aller loin avec ça. Bah tiens, c'est déjà un bon début. On vient avant dans la voiture, on va réfléchir. 2 euros, mais qu'est-ce qu'on va faire avec 2 euros? Mais je sais pas pourquoi tu cries, moi j'ai rien fait. Ah, j'ai une idée. Démarre la voiture, vas-y, démarre, on y va. On va où? Vas-y, on va où avec 2 euros? À la boulangerie, on va où? À Lidl. Vas-y, je te suis, hein. 2 euros max. Ah ouais, j'avoue, il y avait la boulangerie. Il y a la boulangerie Lidl. Je te laisse quelques. C'est combien? Ça, c'est 59 centimes, mais c'est des pains. Viens, on accélère plus par là. Oui, bonjour, ça va, vous allez bien? Tous les jours, à regard. Ah ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux prendre? Ok, ça fait déjà 60 centimes. Vas-y, je te laisse en prendre un. Eh, c'est vraiment pas cher, je suis choqué. Va prendre un sac. Ils sont là. Là, il y en a. Ok, il reste 1,40€. Tu veux... T'as vraiment faim ou... Ouais. Vas-y, bah reprends une autre pâtisserie si tu veux. Tu peux prendre un beignet à 30... En vrai, regarde, prends ça, c'est 39 centimes. Comme ça, on pourra prendre de la boisson. T'en prends combien, un? Bah ouais, t'en prends un, on a que 2 euros. Voilà, c'est carré. Donc attends, 39 centimes plus 60 centimes, ça fait combien? Ça fait 1,10€, il reste 90 centimes. Non, mais il n'y a que 2 euros, réveille-toi. Mais moi, je prends quoi, moi, du coup? J'ai envie de prendre une brique de chocolat. T'as envie de prendre ça, là? Mais c'est 1,29€, mais est-ce qu'on a le droit d'en acheter genre que une, à ton avis? Je crois pas. Tu crois pas? Je prends tout le paquet. Soit tu prends tout. Dommage, je peux pas en prendre que une. Ok, c'est de l'Arizona. Oh, je crois qu'on a 1,09€. Attends, je prends ça là? Ouais, on va goûter. Il y a la pêche. J'espère qu'on aura assez. Hein. Ouais, attends, faut calculer. On est obligé de reposer et il manque 10 centimes. Ça, c'est ta faute. Pourquoi? Bah parce que... On a que 2 euros. Il y a ça. Ouais, bah du coup, on a trouvé ça, les frais 89 centimes. Vas-y, on va aller payer. Hein. On a eu pour 87 centimes. T'as mal compté, on aurait pu prendre l'autre. Je sais, j'ai mal compté. Il y avait 1,87€. C'est pour ça que je te dis, travaille bien à l'école. Je suis un fumeur. On a pris ça, fil TH. Je sais pas ce que c'est. Vas-y, je te laisse goûter. On va procéder à la dégustation hein, quand même pour le petit déjeuner. C'est une marque qu'on connaît même pas. Mais ça se trouve, c'est bon. Sois contente. Il y en a qui n'ont pas à boire et à manger. Ça, c'est l'excuse que je dis tout le temps quand j'ai tort. Vas-y, goûte, tu dis bien bismillah. Bismillah. Peut-être c'est bon. Ça a la pêche normalement. T'as de la chance que c'est bon. C'est bon? Ah, c'est cool. Et pourquoi il y a des trucs dans ta bouche? Il y avait des cheveux des dans. Il y avait des cheveux dans la bouteille. C'est vraiment la base Lidl pour les gâteaux. Toujours laisser le plus grand pour la fin. J'avoue, on a pris 2 beignets. Bismillah. Ça a l'air. Wesh, doucement. Oh, le maxi beignet. Ouvre-le pour voir s'il y a du Nutella à l'intérieur. Lidl, vous êtes les boss en boulangerie. Oh, what the fuck, man. Wesh, doucement. En tout cas, là, avant que je mange, avec 2 euros à Lidl, vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment vous mettre très, très bien. Vous avez vu, encore, il y avait d'autres choses. Il y avait des pizzas à 1,50€. Désolé, t'as pas eu d'argent.
Moi, j'ai eu de l'argent, je me suis payé des trucs, toi, tu vas faire le ramadan. Quoi? T'es vraiment... Tout ce que je fais pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Younes. Hey, je t'ai dit, parle pas avec moi. Ne parle pas avec moi. Moi et mon ventre, on a le seum contre toi, c'est bon? Il y a le nouveau dessin animé Transformers, Earthspark, qui m'ont envoyé cette méga valise. C'est une méga surprise pour Younes et Myriam. On va leur ramener, vous allez voir, ils vont l'ouvrir. C'est incroyable. Younes et Myriam, j'ai une surprise. Voilà, surprise. C'est quoi ta surprise? Méga surprise de la part de Transformers. Vous allez pouvoir ouvrir, vous allez péter votre crâne. Regardez. Wow! T'es prête, Myriam? Ouais. Le dessin animé qui passe à la télé, ouais, et c'est incroyable. Wow. Wow. Il y a v'là les trucs. Ils ont... Aïe. Incroyable. Ah, on a hein. La big, on a le big Transformers jaune, il est incroyable celui-là. On a le rouge aussi. Par ça, on a quoi ici? Ah, on a plein de goodies Transformers. Le robot Turbo Blast. Aïe, ils nous ont régalé les Transformers. Hein. Ici, c'est quoi ça? Earthspark. Tiens, ouvre ça pour l'instant. Oh, il y a un rétroprojecteur. Elle contient gras. Il y a un sac à dos aussi. Oh là, Transformers. Il y a tous les trucs Transformers. Il y a plein d'images aussi. On va tout mettre en place et on va découvrir la surprise. Vous faites quoi là? Il est incroyable. Il est en gomme. Il est en gomme. J'ai une surprise à vous montrer. Venez voir. Encore? Ouais. What? Vous envoyez un téléprojecteur secret. Regardez. Waouh. Film. On fait quoi? On va sur film. Allez sur film. Oh le truc de ouf. Ah oh, c'est sur la clé USB et en là, plus. Et là vous avez des méga surprises les gars. Vas-y on va regarder. Wesh, il y a un film sur le... Les nouveaux épisodes de Transformers. Ah mais c'est trop bien. Ils sont même pas encore sortis, hein, c'est que pour vous. Oh, c'est incroyable. Mais Myriam, viens on va faire des pop-corn. Bah ouais. Vas-y, on va faire des pop-corn. Les pop-corn sont prêtes, vas-y tu peux ouvrir. Oh lolo. Fais gaffe, c'est un peu chaud. Hein. Non, t'avais qu'à en faire un autre. J'ai pas mangé ce matin. T'avais qu'à en faire un autre. Calmez-vous. Vous allez vous départager pour savoir qui aura le popcorn au quiz. Oh non. On va faire un quiz spécial Transformers. Chacun un buzzer. Le premier qui buzz, il va pouvoir répondre à la question. J'ai faim, j'ai rien mangé. Testez votre buzzer pour voir s'il marche. Ok, c'est bon. Vous êtes prêts? Première question. Pourquoi se transforme Optimus Prime? En bus, en voiture, en semi-remorque ou en avion? Myriam a la buzzer. Un semi-remorque. Bonne réponse. Il est là. Deuxième question. Pourquoi t'as buzzé? Pour la peine, pénalité, Myriam, tu réponds à la prochaine question. Mais non, mais je voulais avoir en premier. Qui est le leader des Autobots? Hot Rod, Alpha Trion, Optimus Prime ou Bubble Bee? Optimus Prime. C'est la victoire, tu remportes. Ah si, mais c'est trop facile, frère. Tu remportes des popcorn. Tu vas pouvoir regarder ça devant. Oui, une remarque peut-être? Regardez. Bon bah c'est parti les gars, elle a like ses popcorn. On te voit même pas ta grosse tête là. Younes et Myriam ils sont à fond dedans, ils sont en train de regarder Transformers à côté. Vous pouvez découvrir les nouveaux épisodes de Transformers Earthspark à partir du 16 décembre sur Paramount et tout de suite là sur Nickelodeon à la télévision, n'hésitez pas. C'est bien beau de jouer au foot Younes, mais vous allez manger quoi à midi frère? Eh, je sais pas frère, toi tu lances des défis. Je sais pas, je sais que le foot c'est gratuit donc j'ai pu venir. Mange ton ballon. Ah je sais, sur Uber Eats. Attends, comment ça Uber Eats? Si, parce que regarde, là il y a quoi? J'achète un menu grâce à la Coupe du Monde et j'ai un menu gratuit. Donc, j'achète le menu, je le mange pas, mais le gratuit on le mange avec Myriam. Oh en vrai ça marche. Ouais tu peux en vrai. Il y a des burgers, des pizzas, je sais pas ce que je vais prendre, il y a trop de choix. On va se mettre archi bien. On mange, on joue à la Play Uber. Attends, tu prends la caméra. Tu te prends pour la police toi? Eh, vous avez pas le droit de prendre le sandwich qui est payant. Je sais que t'as commandé deux trucs, un truc gratuit, un truc payant, on va vérifier. Vas-y, il fait chier lui, tu comprends. En plus j'ai la dalle, c'est truc de McDo mais en mode halal. Il se prend vraiment pour un surveillant de collège lui. Alors, déjà. Qu'est-ce qu'on a? On a le droit de tout manger normalement. Non, il y a le truc payant, vous n'avez pas le droit. Putain. Vous allez le donner à papa ou à maman. Non. Pourquoi? C'est pour nous. C'est payant. Et alors? J'ai dit lui c'est un keuf, c'est un policier. Donc on a ça, ça c'est. Oh lolo, mamacita de la noche. De la noche, mais qu'est-ce que tu racontes? Ok, il y a deux burgers. Donc là vous en avez un chacun. Ça c'est bon. Okay. Oui. Et ça c'est les frites. Du coup on leur laisse les frites. Non mais vous prenez vraiment pour un con. Il y en a un gratuit et un payant. Vous en prenez que un burger, j'en ai rien à foutre. Vas-y Myriam, prends-en un. Tac, celui-là je le confisque. Et du coup vous avez droit à une frite aussi parce qu'il y a deux frites dedans. Oh là là. Eh, c'est un policier celui-là. Tiens. On va voir si j'ai la dalle, c'est stylé. Mets tout dedans Myriam. Et celui-là il est confisqué. Ça on n'a pas le droit de manger. Il y a une boisson au moins.
Vous avez pas le droit. Si, on a le droit, c'est dans non. le... Non. Je te promets, c'était dans le menu. Non, ok, ok, bah vous choisissez soit la boisson, soit la sauce. C'est le bon choix. C'est moi qui fais le choix. C'est toi qui fais le choix, c'est la sauce soit la sauce. Prends la boisson, je te promets. Non. Myriam, prends la boisson, c'est bon, les frites, elles doivent être bonnes. Ça, là. On va la boisson. Oh là là, c'est le Big Mac halal. Tu veux voir? À ce qui paraît, c'est le même, hein. C'est attends, exactement attends, le Myriam, même. Ne bouge surtout pas. Est-ce que tu peux nous l'ouvrir un peu? Moi, je travaille au McDo. Un moi, Big Mac halal. Tu travailles au McDo, moi. Tu veux voir, Myriam, c'est vraiment double steak? Ouais, double steak. Vas-y, tape un croc. Bismillah. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est gratuit, Mimi. La gratuité. Oh là là, le giga croc. Ça, c'est la gratuité. Fais voir leurs frites, comment ils sont, s'ils sont comme McDo. Renverse toutes les frites. Attends, je vois pas, là. Ah ouais, on dirait un McDo. C'est un truc de ouf, j'ai la dalle. La sauce, là. Deuxième, c'est... ça doit être la même chose. Non. Juste pour voir si on a fait le mauvais choix. Ah bien, le deuxième, c'est un McChicken. Oh, un McChicken. Papa, t'aimes bien les McChicken? Mon plan pour ce soir, les gars, il est là, vous inquiétez pas. Tu prends ce que tu veux, je prends mais ce que... Mais on n'a pas d'argent. Mais c'est pas grave, viens, t'inquiète. On peut s'en sortir. Attention, on paye pas et on court. Après, on commence par le dessert, prends ce que mais tu... on n'a pas d'argent, je sais pas comment on va faire. Fais-moi confiance, prends ce que tu veux. T'as des gâteaux ici, des pâtisseries, t'es mal à quoi? Éclair au chocolat. Franchement, fais-toi plaisir. Pas de muffins. Regarde, t'as des donuts au dinde. Oh, regarde, t'as des mini donuts. Ça, c'est le halal qui parle. Prends ce que tu veux, prends ce qui te fait plaisir. Tu es malade, regarde ta peau. Ben oui, il y a des bûches. Prends une bûche. Je sais pas laquelle entre les deux. Prends chocolat. Mais c'est les mêmes. Ok, une bûche. Pour mon dessert, j'ai une envie. Je suis une femme enceinte. Je sais, j'ai des envies bizarres. J'ai trop envie de prendre des fruits rouges. Vas-y, pour la partie salée, je te laisse prendre. Hein. Je vais prendre des nuggets, mais je sais pas si. Nuggets, s'il y en a, ils sont tout en haut à gauche. Demande au monsieur s'il peut te passer. Voilà, merci beaucoup. Nuggets, elle coûte combien la boîte de nuggets? 2,90€ sans argent. Combien, 2,90€? Oui. Vas-y, prends, t'inquiète, prends. On part sur des tranches de dinde. Ça coûte combien? Ça coûte 3€, je crois. On continue avec du bon fromage, vous allez voir. Vous allez comprendre. Ça part sur une pizza. Vas-y, prends. Il y a des pizzas au jambon. Prends une pizza de la mama de Mister V. Ouais. Tu connais, obligé des frites. Ça, c'est des bonnes frites. Bien françaises. On est en train de prendre des trucs, on va se mettre bien. Mais comment on va payer? Prends une boisson aussi. Mais dis-moi d'abord comment on fait, sinon j'appelle maman. Je n'ai pas envie de me retrouver au commissariat. Déjà, allez. Prends ta boisson. Je vais tout t'expliquer. Prendre quoi? Oasis, c'est quoi celui-là? Oasis orange, c'est pas bon orange. Tropico, c'est mieux. Comment on va faire? À chaque fois que tu viens ici, il y a ça. Il y a cette carte Auchan. Et à chaque fois que tu fais des courses, tu as des points. C'est-à-dire que j'ai des points sur ma carte fidélité, j'ai à peu près 28€. Donc on va utiliser ça pour payer. Et voilà, on a réussi à faire des courses gratuitement. On va se mettre bien pour ce soir. J'ai pas osé filmer à la caisse parce que la dame, elle était énervée. On dirait qu'on lui devait de l'argent. Mais c'est normal, toute la journée, ils sont à la caisse, ils en ont marre. Il y en a une, elle avait pas pesé ses oranges. Laisse tomber. À mon tour pour le repas gratuit. Et tout ça, c'est gratuit. Là, je me sens comme un rat. Mais en vrai, je crois que Myriam, elle m'a fumé. Hein. J'ai des frites, j'ai des muffins anglais que j'ai fait moi-même, je vais vous montrer. Regarde-moi ça. Fromage, œufs, dinde. Et là, on a des myrtilles. Mais j'ai oublié d'acheter de la sauce. C'est-à-dire que je vais manger des frites vierges. Je sais pas si ça va être bon. Vas-y, on va goûter. Hein. Sans ketchup. Sans ketchup, tu peux pas manger des frites. Mais après, je me dis, c'est gratuit. Donc, si c'est gratuit, c'est bon. Vous êtes d'accord avec moi? On va voir si les Anglais... Je suis sûr que Cristiano Ronaldo, il devait manger ça à la cantine de Manchester, mais là, il s'est fait virer, miskin. On va tester un Big Mac anglais. Ah, t'as clairement éteint. Pizza, nuggets, bûche. Mais la totale, la comment totale. Comment ça, elle m'a éteint? J'ai fait des... De 5 ans et t'as éteint la honte. Je me suis pas fait éteindre, c'était bon mon truc. Petit de 3 ans et demi et t'as éteint la honte. C'est pas la honte. Franchement, bien joué, je te serre la main. Allez, c'est aux abonnés. Heureusement que c'est pas toi qui décide. Du coup, tu vas pouvoir déguster et tester si c'est bon ou pas. Elle est assise comme un hobbit, machallah. Et t'as quand même éteint un hobbit. Non, elle m'a pas éteint. Laissez aux abonnés de décider, c'est pas à moi. Les abonnés disent que c'est moi. Bismillah avant. Bismillah. Allez, c'est parti. Moi, j'ai voulu faire un truc genre que personne fait. La part de la victoire. Tu sais, c'est quoi comme pizza? C'est aux épinards. Non, pizza de Mister V que tu nous avais dit de goûter. Oh, jure. Ouais. Devine, c'est combien de la pizza fromage de la mama. Devine, c'est combien de fromage.
4. 6 fromages, hein. C'est, on dirait une vraie. C'est bonne, une vraie la pizza de la maman. Pas mal. Mais tout ça gratuitement, là on mange gratuitement, ça fait plaisir. Mais par contre, je trouve ça vraiment bizarre. Comment vous avez pu avoir tout ça sans gaspiller d'argent? Mais je te jure, wallah, c'était gratuit, vraiment. Ah ouais? Je te promets, c'était gratuit. Tu regarderas la vidéo, je te spoile pas, mais tu verras. Et comment vous avez fait? Je te spoile pas, tu verras la vidéo. Vous avez pas mangé, j'espère. Non, c'est pas bien. Regardez les bûches. Oh là là. Même pas vraiment laisser une, cette goinfre. Et en plus, elle s'est pris une sauce. Elle s'est pris une boisson tropico. Elle était grave intelligente. Et du coup, il n'y a pas de sauce? Non, on pouvait pas, j'avais peur que ça valait moins. Vous avez préféré prendre des nuggets et une pizza, mais sans sauce. Ben frère, j'avais peur que ça passe pas. Imagine, tu vas à la caisse et la meuf, elle dit non. Moi, je serais vous, j'aurais été au McDo, j'aurais demandé une sauce mayonnaise. Tu fais genre, gratuit. Tu consommes, tu t'assois et d'un coup, tu te lèves. Bonjour, je voudrais une sauce mayonnaise, s'il vous plaît, madame. On est trop bête, Myriam, on aurait dû prendre des sauces au McDo gratuit. Elle est incroyable. Vraiment, fais voir à l'intérieur s'ils ont fourré cette année. Wow. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si le défi est validé pour eux, parce que moi, je n'étais pas exactement avec eux. Que c'est moi qui ai le meilleur repas. Je verrai dans la vidéo si c'est validé, mais vous aussi, dites dans les commentaires si c'est validé. Nous, on va vous laisser là. Abonnez-vous et likez. Ciao.